Bonjour et soyez les bienvenus à la source de l'INIL. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Nahima Nahiruma. Je suis guide touristique ici à la source de l'INIL. Avant de vous raconter l'histoire, comment on a découvert la source là en bas et comment on a construit cette pyramide, permettez-moi qu'on s'oriente tout d'abord. Nous sommes au sud-est du pays. Sud-est. Nous sommes à 115 km de la capitale Bujumbura. Nous sommes dans la province qu'on appelle Bururi, en commune Rutovu sur le mont qu'on appelle Gikizi. Le mont Gikizi est parmi les plus hautes montagnes du Burundi. Le plus haut sommet du mont Gikizi, c'est celui-là, à 2100 mètres d'altitude là-haut. Nous sommes également sur la crête Congo-Nil. Ça veut dire la crête qui sépare deux bassins, le bassin du Nil et le bassin du Congo. Au nord de la crête ici, c'est le bassin du Nil. Au sud, ici, c'est le bassin du Congo. Cela veut dire que toutes les rivières, ces affluents au sud de cette crête, se jettent d'abord dans le lac Tanganyika, le fleuve Congo, pour se déverser dans l'océan Atlantique, tandis que l'eau qui sort vers le nord va à la Méditerranée. La crête constitue alors la ligne de partage des eaux. Cette ligne de crête vient d'où? Vient de la province qu'on appelle Chankuzo, en passant par la province de Ruigi, Rutana, Bururi, Bujumbura Rural, Muramvya, Kayanza, la Kibira, et ça va vers le Rwanda dans la forêt de Nyungu. Voilà alors comme orientation. Comme histoire alors, c'était en 1930. Un certain Allemand du nord de celui-ci, il s'appelait Docteur Burkhard Waldeck. Celui-ci, il était explorateur. Lorsqu'il était en Égypte sur la mer Méditerranée, voyant l'ONU se détendre dans la mer Méditerranée, il s'est posé la question d'où vient cette eau. Alors comme il était explorateur, il s'est décidé lui-même d'aller à la recherche de la source du Nil, parce que l'ONU se trouve en Égypte. Où est-ce qu'il était alors? Il était en Égypte sur le lac qu'on appelle comme ça, Kil Bahal El Abiad Nil. C'est l'arabe, en français veut dire la mer blanche du Nil. Il a quitté l'Égypte, il s'est rendu au Soudan du Nord, où il a rencontré le lac qu'on appelle Bahal El Jebel. C'est l'arabe aussi, en français veut dire la mer de la montagne. Il a avancé vers le Soudan du Sud, il a rencontré le lac Albel Oumri Tanzigué, parce que le lac Albel passe par trois pays, entre le Congo, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Avancé vers l'Ouganda, il a rencontré le lac qu'on appelle Kiyoga et le Victoria Nil en Ouganda. Avancé toujours vers la Tanzanie, il a rencontré le lac qu'on appelle Victoria. Arrivé au Rwanda, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kagera. Maintenant, il rentre au Burundi, juste au nord du Burundi, de la province qu'on appelle Muyinga. Il a rencontré la Ruvubu. Voilà, il descend au centre du pays, Stagitega. À partir de Mugera jusqu'à Mahwa, c'est à 15 km d'ici, il a rencontré la Ruvironza. Avancé vers ici, à 5 km, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. À 2 km d'ici, ça s'appelle Gasenyi. Arrivé ici à la Kasumo, c'est là, là en bas, tout près, vous avez regardé les boîtiers là. C'est ici que l'Allemand a découvert la source la plus méridionale du Nil. L'Allemand ne devait pas dépasser là pour aller chercher la source derrière cette montagne. Il aurait entré dans un autre bassin, le bassin du Congo, pour dire qu'il était arrivé. Après une longue marche de 6700 km à pied, cela pendant 4 ans, il a fait 4 ans de marche. Pour alors témoigner que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil en bas à la Kasumo, l'Allemand s'est décidé de construire une petite pyramide à l'image des pyramides d'Égypte. Voilà alors l'Allemand a préféré construire cette pyramide au sommet de cette crête. Après avoir construit cette pyramide, qu'est-ce qu'il a écrit sur la pyramide? Il a écrit sur la pyramide sur une plaque en cuivre. Ça c'est du cuivre, ça. En langue latine, ça c'est du latin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pyramidis adi caput in Nil, en français veut dire la pyramide à la tête du Nil. Meridionalissimum, la plus méridionale. La plus méridionale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plus au sud, parce qu'il existe plusieurs sources du Nil. Mais la source la plus méridionale, la plus au sud du Nil, ça se trouve ici au Burundi, à la Kasumo, là-bas en bas. Cette pyramide, alors, c'est un bord de la source. Cette phrase veut dire quoi, ça? Cette phrase veut dire que cette pyramide est également le symbole du débit du fleuve, où débite le fleuve Nil blanc, parce qu'il existe deux fleuves Nil. Il y a le bleu et le blanc. La source du blanc, c'est ici au Burundi. La source du bleu se trouve en Éthiopie. Les deux fleuves se rencontrent au Soudan du Nord, à Khartoum. La longueur du fleuve Nil blanc qui prend source ici au Burundi est égale à 6700 km, à compter à partir de la Kasumo, là-bas en bas, jusqu'à la Méditerranée. L'Allemand alors a quitté l'Égypte en 1930.
Il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Ça, erecta en français veut dire érigé, 1938. Il a utilisé les chiffres romains. Voilà, il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Pourquoi il a attendu 4 ans? L'Allemand n'avait pas de moyens. Il devait recourir à certaines autorités, à certains gens pour construire cette pyramide. Tout d'abord, en 1930, tous les pays d'Afrique étaient dans la colonie. Il s'arrangeait alors à ses amis européens qui venaient d'Afrique pour traverser d'un pays à l'autre. Nous, au Burundi, nous étions en sort pays avec le Rwanda, un pays qu'on appelait Rwanda ou Burundi. Vous venez par qui? Par un Belge qui s'appelait comme ça. Il s'appelait Gingers. Qu'est-ce qu'il a aidé celui-ci? Il a aidé à lui assurer sa protection, la protection physique, surtout pendant les déplacements. L'autre qui a aidé, c'était qui? C'était un prêtre belge aussi, il s'appelait Cole. Celui-ci a été longtemps directeur de l'école normale de l'autobus. C'était à 7 km vers le nord d'ici. Depuis 1949, il était directeur de l'école moyenne pédagogique de Rutovu. En 1969, il a été recteur du petit séminaire d'Obuta. Qu'est-ce qu'il a aidé celui-là? Il a aidé en lui fournissant ses pierres, du sable, du moellon pour la construction de cette pyramide. Qu'est-ce que l'Allemand a écrit encore sur la plaque? L'Allemand a écrit que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil, in memoriam, en mémoire de tous ceux qui ont cherché la tête du Nil mais qui n'ont pas réussi. Il a cité quelques-uns. Deux Grecs, deux Anglais et un Allemand. Les deux Grecs qui ont essayé, qui ont échoué, le premier s'appelait Eratosthène, l'autre s'appelait Ptolémée. Les deux Anglais, le premier s'appelait Speke, l'autre s'appelait Stanley. Quant à lui, il était Allemand et d'autres. L'Allemand était un homme très très courageux. Il a quitté le Burundi pour se rendre au Congo, toujours à pied. Il se rendait plus précisément au Katanga. C'était à plus de 1500 km d'ici. Mais pour le moment, il a été accompagné par certains Burundais des environs d'ici, dont un chef parmi eux est appelé Nivyanone, qui était chef d'une équipe de 16 personnes qui accompagnaient le vers le Congo. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander l'aide matérielle à ses amis allemands qui travaillaient dans une société qu'on appelait Géomine, un projet de changement de nos verges Camine. En lui fournissant alors 5 sacs de ciment et en lui fabriquant cette plaque sur laquelle est écrite l'histoire du parcours lunaire. Chose encore étonnante. La plaque que vous voyez ici, elle est fabriquée dans une matière très lourde, le cuivre. Elle pèse plus de 50 kg. Mais elle a été emportée sur tête de nos arrière-grands-pères depuis Katanga jusqu'ici, avec les 5 sacs de ciment. Ils ont passé plus d'une année en route. Pourquoi alors l'histoire est écrite en latin? L'Allemand, lorsqu'il est arrivé ici en 1934, il avait amené une tente. Il vivait dans une tente. C'était là le peuple après la tente a été déchirée. On a construit une petite maison en paille, construite à partir des matériaux locaux. C'était alors le peuple après que l'Allemand a été attrapé par une maladie qu'il ne connaissait pas. Une maladie de chic, une bunja. Oui. On le surnommait comment l'Allemand? On le surnommait Rukwa Bagara. Pourquoi? Parce que nos arrière-grands-pères ont eu la difficulté de prononcer Burkhardt. Ils ont préféré le surnommer un nom bizarre qui n'a pas de sens. C'est Rukwa Bagara. Les dimanches, il aimait aller à la prière à l'église catholique de Rutovu. C'était à 7 km vers le nord d'ici. Arrivé là, il a rencontré nos arrière-grands-pères. Grand-mère priait, chantait en latin lors de la Sébastien des messes catholiques. Croyant que tous les Burundais connaissent la vérité, c'est pourquoi il a écrit l'histoire en latin. Cette plaque a été fabriquée où? Au Congo, dans l'union minière d'Igo Katanga. Ça, qu'est-ce qu'il a voulu écrire? Chemin de fer, grand lac. Doctorat, qu'est-ce qu'il était? Il était historien. Mais en dehors de son doctorat, il avait fait une formation connexe de la maçonnerie et de l'architecture. C'est lui-même qui a construit cette pyramide à ses propres mains. Les Burundais n'étaient que des ouvriers et des maçons. Voilà, Burkhardt a construit une étrange maison, 300 maisons. Il a construit une pyramide de pierre de 3 mètres de hauteur. Et les habitants se sont longtemps demandé ce que Burkhardt construisait à cet endroit. Ils ont finalement conclu qu'il devait s'agir d'une hutte pour les esprits de ses ancêtres. Ils se mettaient à l'écart du bâtiment. Voilà, la construction continue lentement avec l'aide de 30 travailleurs. Après avoir construit cette pyramide, Burkhardt, l'Allemand, a orienté la pyramide vers le nord. Il a laissé l'entaille de la pyramide vers le nord. Si vous avez votre boussole, vous mettez la boussole là, le guide de votre boussole vous montrera que le nord est là, vers la Méditerranée, vers l'Égypte. Et cette entrée rappelle la direction du fleuve Nil Blanc vers la mer Méditerranée. À l'intérieur de la pyramide, il a laissé deux fenêtres pour symboliser les tombeaux funéraires des pharaons. Sur les grandes pyramides d'Égypte, elles sont construites comme ça. Par exemple, la grande pyramide. Par exemple, la grande pyramide d'Égypte, la pyramide de Khéops qui atteignait avant
146 mètres de hauteur. Actuellement, 138 pour une base de 230. Si vous entrez à l'intérieur de la pyramide, vous allez voir un pharaon enterré à l'intérieur de la pyramide avec un corps momifié. Les géants pharaons, non, en Égypte. Voilà, les géants pharaons qu'on disait qu'ils avaient 200 kilos avec une taille de 2 mètres et demi. Voilà. Ah, nous avons une autre attraction touristique non loin d'ici, à 9 km vers le sud d'ici. Les autres thermales de Mouez. La chaîne de montagne que vous voyez là, on l'appelle Kibimbi. Vous quittez là, vous faites 10 km vers l'ouest, vous allez rencontrer un autre site touristique, des autres thermales qu'on appelle Muyang. Mon prochainement, vous allez arriver aux autres thermales de Mugara à Rumong. Trois sites des autres thermales sur une même ligne. Mouez, Muyang et Mugara. Voilà, pour terminer, nous avons parlé de Burkhardt. Quelle est alors sa vie? Burkhardt est né le 19 août 1902 à Hagen, la ville dans l'ouest de l'Allemagne. En réalité, Burkhardt était un explorateur et ethnologue africain germano-belge. Son prénom était initialement Louis, mais il a fait changer légalement en 1930. La même année, il obtient son doctorat à Berlin. En tant qu'opposant au régime, Burkhardt échappe à la menace de la persécution des national-socialistes en Allemagne. Après avoir découvert la source la plus méridionale du Nil, ici au Burundi, Burkhardt émigre au Congo belge, où il réside à Elzabtiville, aujourd'hui Lubumbashi, et reçoit un grand soutien et une grande protection de la part du gouverneur général à l'époque du Congo belge, Pierre Kumas. En 1943, Burkhardt obtient la nationalité belge au Congo belge. En 1945, Burkhardt est nommé conservateur adjoint du musée Léopold II, un musée qui a été fondé comme une branche du musée colonial du nom Tervelen en Belgique. Burkhardt est mort au cours de l'été 1964, alors qu'il était en vacances en Italie. Il est mort à l'âge de 62 ans. Cette pyramide a été inaugurée officiellement durant l'été 1943 par Madeleine Netta, l'épouse du gouverneur général à l'époque du Congo belge. Voilà alors, en bref, une courte histoire sur la découverte de la source du Nil et la construction de cette pyramide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.